Le quatrième cristal. Merci beaucoup. Honnêtement, quand j'ai vu, je n'avais quasiment aucun souvenir de cette période et qu'en désespoir de cause, j'ai dû me tourner vers mes parents. J'ai vraiment eu peur. Plus le temps passe et plus je me demande ce qui se serait passé si je ne parvenais pas à récupérer tous les cristaux. Rien que d'y penser, j'ai la chair de poule. Je sais que vous avez fourni un effort considérable pour ce souvenir, mais il faut continuer. Est-ce que vous êtes prêt? L'année de mes 15 ans, j'ai fait mon entrée au lycée aux États-Unis. Nous n'avions pas passé un an dans le chalet canadien que de nouveau il nous a fallu partir. Ma mère avait été appelée pour couvrir un événement majeur dans le milieu de la mode. Faire les allers-retours aurait été trop compliqué, et se séparer de sa famille n'était pas dans ses plans. Son agence nous a donc trouvé une maison américaine dans le pur style craftsman, d'après ce qu'elle m'a dit. Pour ma part, je me souviens seulement de la terrasse arrière, où je passais le plus clair de mon temps à lire mes chers livres. Il y avait une belle suite familiale, avec sa propre salle de bain. Une autre chambre pour moi, non loin d'une seconde salle de bain. Deux toilettes séparées, la cuisine ouverte ainsi que le salon et la salle à manger. Mon père a souri en songeant à leur bureau de l'époque. Ah, et il y avait également une chambre d'amis qui servait surtout de salle de photographie à ma mère et ses nombreux modèles. Il y avait pas mal de passages dans la maison à cette époque. J'espère que vous serez inspirés, car j'ai vraiment besoin de ce cristal. Oh, et tant que j'y pense, maman est passée à la maison et elle sent bien que quelque chose ne tourne pas rond. Je n'ai pas voulu l'inquiéter, mais j'en ai profité pour lui faire amener son vieil album de famille. Ça a été l'occasion de replonger dans leurs souvenirs à papa et à elle. De ce qu'elle m'a raconté, elle a toujours été une enfant très sérieuse, en tout cas jusqu'à la fac. Papa, de son côté, eh bien disons qu'il n'a pas tant changé que ça. Là où maman s'essayait déjà à toute forme d'art, lui préférait courir par monts et par veaux. Ils se sont rencontrés à une soirée étudiante où des amis à eux avaient réussi à les traîner. Ça a été le coup de foudre, et depuis, ils ne se sont plus lâchés. Comment leur couple a tenu depuis si longtemps avec des centres d'intérêt si différents, ça me dépasse. Mais comme quoi tout est possible. Ils ont trouvé leur équilibre, et même si chacun d'eux a un planning chargé, ils ont toujours fait en sorte de se dégager du temps pour passer de bons moments ensemble, et par la suite avec moi. Papa dit toujours que son travail lui permet de faire du repérage, et maman d'ajouter que le sien lui permet de tout immortaliser. Pour ma part, j'aimerais vraiment un emploi qui me permette de passer encore plus de temps avec mes livres, à supposer que ce soit possible. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc à la cinquième étape du challenge Tour du Monde dans lequel nous suivons Heather et sa famille. Pour ce nouveau défi, nous allons nous rendre en Californie du Sud pour découvrir, ou redécouvrir, le style craftsman. Pour cette étape, pas de taille de terrain imposée, mais puisqu'il s'agit d'un foyer modeste, je vois bien la maison dans un quartier avec plein de maisons identiques alentour, ou quasi identiques. Donc encore une fois, pas de château, il faut que la maison puisse s'intégrer de manière naturelle dans un quartier californien. Si vous utilisez des inspirations de lieux existants, n'hésitez pas à dire lesquels en description de votre construction, ce sera un plaisir de découvrir tout ça. J'espère que les 2-3 infos sur la famille pourront vous aider par la suite. Puisqu'ils déménagent en permanence, ça va devenir compliqué de personnaliser les maisons avec tout leur bazar. Car quand on bouge tout le temps, on n'accumule plus autant qu'avant, même si on parle du foyer Nash. Partez du principe que le plus gros de leur stock est resté en France dans un local en attendant leur retour. Pour la personnalisation, il faudra donc aller à l'essentiel, faire ressortir leur personnalité et goût avec le minimum. Cartes postales, tableaux, photos, 2-3 objets déco, livres pour la petite, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Du côté de la maison, il devrait obligatoirement y avoir une structure en bois, pierre, des grandes pièces, surtout la cuisine, grand garage, porche aménagée avec du mobilier de jardin, une suite parentale comprenant chambre et salle de bain, une chambre pour Heather, non loin de la seconde salle de bain, deux toilettes séparées, une cuisine ouverte, un salon, une salle à manger, un bureau de bonne taille, une chambre d'amis qui servira de lieu de photographie à la maman. Les pièces doivent faire grandes, pas nécessairement l'être. Autrement dit, tant qu'il y a de l'espace pour circuler à l'aise, c'est bon. Vous avez jusqu'au mardi 8 mai minuit pour poster votre création. Cette étape marque la moitié du challenge. J'espère que vous tiendrez le choc jusqu'à la fin et que vous prenez le plaisir de découvrir l'histoire des heures. Si vous avez des remarques ou des questions, lâchez un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je ferai un edit dans la description si besoin est. Bon courage et à très vite !